Aujourd'hui, nous avons décidé de rendre hommage à un métier noble, un métier digne, un métier respectable. Le métier de technicien de surface, ou encore les nettoyeurs, on les appelle les nettoyeurs dans les grandes surfaces. Ce sont des personnes qu'on minimise, ce sont des personnes qu'on regarde avec un air condescendant. Mais ce sont des personnes qui savent aussi tout ce que nous on fait dans les toilettes des gens. Donc aujourd'hui, ces personnes-là ont décidé de venir nous expliquer. Comme nous, on prend nos clés de voiture, clic, 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 et puis on se promène dans les supermarchés, là. Ceux qui nettoient, là, ils voient. À tout à l'heure. C'est l'Indien. Bonjour à tous, bon début de semaine à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être de nouveau en votre compagnie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle des métiers dits invisibles, en l'occurrence les techniciens de surface. Les personnes qui nettoient dans les grandes surfaces, qui nettoient les supermarchés, qui nettoient les boutiques, qui nettoient... On les voit même pas souvent. C'est vrai. Les filles. Et c'est pourtant, vrai. C'est grâce à eux qu'on arrive justement à faire nos courses. Oui. Parce que c'est propre. Oui. Et c'est dommage qu'on ne voit pas... Qu'on ne les voit même pas. Que ce ne soit pas reconnu à la juste valeur, même en termes de rémunération salariale. Ouais. C'est vrai, des fois on est là, on va au supermarché, et puis nous les femmes, on peut avoir un petit souci directement, on se dirige vers les toilettes, et quand c'est propre, on est contente. On se dit, waouh, ils sont propres, hein. Mais en fait, ils ne sont pas propres. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a nettoyé, exactement, qui a rendu ça propre. C'est pas parce que le supermarchand lui-même est propre. Il y a une personne qui le fait. Et en général, on ne les salue même pas quand on rentre, on est passé. On sort, on les regarde, mais à peine même est-ce qu'on les voit. On les ignore totalement. C'est dommage, hein. Je ne sais pas si c'est exprès, c'est pas exprès, je ne sais pas. Moi, je pense que ça dépend de l'éducation. Parce que moi, c'est des personnes que je remarque, que je vois, à qui je dis bonjour quand je les croise dans les couloirs ou dans un supermarché, parce que on m'a appris à respecter tout le monde, peu importe. Et il y a beaucoup de personnes qui le font. Malheureusement, il y a toujours des personnes qui se sentent supérieures aux autres, qui pensent qu'eux, ils n'ont pas à parler avec quelqu'un qui nettoie ou des choses comme ça. Mais à la fin de la journée, c'est un être humain, quoi. C'est et sûr. Ma mère m'a toujours dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi dans la vie. C'est ça, exactement. Il faut toujours respecter que la personne soit chauffeur, soit nounou. Aucune. Et un jour, j'ai grondé mon fils parce qu'il avait justement eu un écart de langage. Je l'ai puni pour ça. Mm-hmm. Et j'espère que la leçon est passée parce que dans tous les cas, il faut respecter. Et puis, ces personnes-là, petit conseil, tisser des amitiés avec eux. Ouais, c'est ça. Ils ont tous les vrais docs. Tisser des amitiés. Vous allez voir quoi. En plus, souvent, là, comme on dit, c'est Tchouya qui font qu'elles sont là. C'est ça. Ou bien qu'ils sont là. Oui. Si tu penses que si tu as une bonne situation, bien ils ont eu un bon fonds de commerce, ils vont rester dans ça. Ils sont là parce qu'au moins, ils ne veulent pas voler, ils ne veulent pas faire de mauvaises choses. Au moins, ça paye et puis ils arrivent à nourrir leur famille avec. Mais c'est qui savent, là. C'est ça. C'est qui se passe en toilette. C'est qui se passe dans... Pas seulement toilette, c'est qui se passe dans toilette de grande surface. Je t'ai dit. Souvent, quand tu vas dans les grandes surfaces, là, ton ventre peut tourner. tu peux être avec quelqu'un et puis tu te dis, bon, Jonanko. Il y a tout qui se passe là-bas. Jonanko, et aujourd'hui, là, elles vont venir nous dire ça ici. Mais en attendant, on va aller voir la rue, ça anime ce qui se passe, ce que les Ivoiriens pensent. On vous a posé la question aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut être un technicien de surface? On vous écoute. Oui, tout le monde peut l'être. Et pourquoi? Parce que ce métier n'est pas destiné à un certain nombre de catégories. C'est-à-dire toute personne qui a envie d'exercer une activité pour se faire de l'argent peut aller postuler. Tu peux être vigile en attendant avoir le poste de ton diplôme. Mais si tu dis qu'il faut avoir le poste de ton diplôme, tu vas chômer. Tu ne peux pas t'occuper de toi, ni ta famille, ni ta femme. Ou bien, c'est ce que moi je vois. Non, non. Non. Parce que ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui se voient pas en train de faire ça. Sinon, naturellement, une personne peut être technicien de surface,
peut être aussi vigile. Moi, personnellement, je peux le faire. Mais il y a des personnes qui se disent qu'elles sont allées à l'école, elles sont diplômées, elles ne veulent pas. Voilà, donc dans ce cas-là, tout le monde ne peut pas. Parce que ça dépend du fond de la personne. Il y a des personnes qui se gênent pas de faire tout. Voilà, mais il y a des personnes qui trouvent que être technicien de ce face, c'est vraiment être le dernier de la société. Donc ces personnes ne veulent pas le faire. Oui, effectivement, hein, ça fait mal au cœur, quoi, quand tu vois des personnes qui pensent qu'effectivement, ce sont des métiers... Là, j'ai eu mal au cœur, là. Ouais. C'est méchant, quand même, de penser comme ça. Beaucoup ont la chance, en fait. Oui. Beaucoup ont la chance d'avoir des parents qui peuvent les scolariser, qui peuvent s'occuper d'eux, les pousser le plus loin possible dans la vie, en fait. Alors, tout le monde n'a pas cette chance-là. Oui, il y a des gens qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'aller à l'école. Il y a des personnes qui n'ont pas leurs parents avec eux, qui sont obligées de se battre pour survivre, en fait. Mais pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'en Afrique, ces métiers-là ne sont pas valorisés, mais en Occident, eux, là-bas, ils sont mieux payés. Parce qu'on se dit que c'est là-bas que tu travailles le plus. Bah oui. Effectivement, ils fournissent mieux plus d'efforts. Bien sûr. Moi, je connais une dame qui nettoyait dans les écoles. Aujourd'hui, elle est malade, elle ne peut plus nettoyer parce qu'il y avait le produit qu'on met pour nettoyer. Ouais. Là. Ah. Ça fait que, à force de respirer, elle a une infection pulmonaire et elle est malade. Parce que, en fait, c'est des métiers à risque. C'est très dangereux. Et puis, ceux-mêmes qui font mal. Plombier, même là. Son agent qui gagne. Plombier. Là-bas, on valorise ces métiers-là. Sans eux, là, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, ceux qui font mal, là, ceux-mêmes, ils viennent, ils font mal pour dire que ça, c'est un petit métier. Ils sont remplis en Europe, là, parce que c'est ce travail-là qu'ils font. Cleaning. Ton premier travail, c'est cleaning d'abord. La première chose, quand on va dans un coin. Moi, par exemple, quand je vais dans une surface, si je veux faire pipi, je dis. Est-ce que c'est propre? Ça dit que c'est la première des choses. C'est mais pour que ça soit propre, là, il faut bien que quelqu'un nettoie. Ah, bien sûr. Ça ne se nettoie pas seul. Vraiment. Alors, je vais maintenant appeler nos invités, des femmes fortes qui sont des techniciennes de surface. Sidoine Nguessan et Sandrine Niaké, s'il vous plaît. Les stars. Elles sont toutes belles. Oui. Et elle a des marches, ma chérie, prends ton temps. Allez. Comment ça va, les filles? Les filles choquent. Ça va? C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Ouais. Vous êtes contente d'être là? Très contente. Si là, on n'est pas timide. Mais vous nous connaissez, non? De toute façon, on est ouelé là. Ah, c'est comme ça, on est. D'accord? OK. On n'a pas honte ici, on est entre nous. C'est on a la maison. D'accord. Alors, Sandrine, tu es technicienne de surface. Tu nettoies, en fait. C'est ça? Tu nettoies depuis combien de temps? Bon, ça me fait un peu... 4 mois que je suis là. Quatre mois que tu es là. Tu nettoies dans une grande surface, c'est ça? Oui. OK, d'accord. Et toi aussi? Moi, je vais dire bientôt 5 ans. Cinq ans? Waouh! Wow. Depuis 2017. Parle un peu fort, s'il te plaît. Depuis 2017, je suis dedans. En droit, c'est ce que je fais pour nourrir mes enfants, pour payer leur école. Pour payer leur école? Ah bon? Wow. Mais c'est bien. C'est que c'est bien payé, alors. Combien d'enfants tu as décidé de rentrer dans ce métier-là? Bon, je suis quitté chez les parents de mon mari, que je vais rendre visite à maman et puis à la veille, il y a eu ce travail. Grâce à une dame qui s'appelait Fatou, elle est Claudine. C'est à cause de eux, moi, j'ai reçu ce travail. Mm-hmm. Tu étais à la recherche, tu demandais? Non, j'étais venu rendre visite à la grande sœur de ma maman. Mm-hmm. Non, c'est mon palais de travail. J'ai dit, ah, ils n'ont qu'à voir ça pour moi, que je vais faire, puisqu'il y a des enfants dans ma mère. Mm-hmm. Donc, quand Claudine allait voir Fatou, Fatou a dit, OK, il va voir le Libanais s'il est d'accord. Donc, elle est montée, elle est descendue. Non, le monsieur m'a dit de chercher quelqu'un pour venir. Donc, il n'y avait personne pour attraper le bébé. Donc, c'est comme ça, ma tante m'a dit non, il faut partir, je vais attraper le bébé. Waouh. Et combien d'enfants tu as? J'ai 4. 4 enfants. On ne dirait pas. Hein, tu as bien décidé de faire justement, quand tu es arrivée, justement, comme par hasard dans ce métier, c'était parce qu'avec ton mari, il y avait des difficultés personnelles, vous êtes séparés. C'est la raison pour laquelle tu as décidé d'assumer seule, justement, ces enfants-là. Oui, oui. Vraiment, tu es courageuse. Félicitations! Ah, oui, la star! Sidoine. Sandrine, et toi, comment t'es arrivée dedans? Tu peux tout nous dire, Onan? Dis-nous. Onan, go ici ou bien? Je suis arrivée dans ce travail parce que c'est pas facile. Ouais. Mm-hmm. Ça n'a pas été facile, en tout cas pour moi. D'accord. Depuis que j'étais au village... Je n'ai rien, j'ai oublié de faire ce travail pour m'entretenir et mes petits frères. Je suis l'aîné de la famille, on est 8. Et avec ce travail-là, tu arrives à subvenir aux besoins de tous tes petits frères? Un peu, oui. Wow. Tu as bien payé. Bon, un peu, on peut dire ça. Ah, c'est bien. Voilà, c'est bien. Les gens ne comprennent pas ça. Hein. Oui. Et tu as fait des études? Bon, 6e seulement. Tu as fait 6e. Pendant la guerre, j'ai arrêté parce que
ce n'était oui. plus la peine. Ouais. Ouais. Tu viens de quelle ville? Je viens de Mans. De Mans, d'accord. Et j'ai grandi à Djoukoué, chez les Guérés. Ah, d'accord. Donc de là-bas, je suis venue ici. Ça fait combien de temps que tu es à Abidjan? Depuis 2011. Et avant d'être technicienne de surface, tu as eu quel métier? Bon, j'ai travaillé dans un magasin de chaussures. Mm-hmm. Et puis, bon, mon premier travail ici d'abord, j'aime pas maquis, mais j'ai fait maquis. D'accord, serveuse. Parce que je veux quelque chose. J'étais caissière là-bas. D'accord. À part ça, je suis rentrée dans un magasin, De chaussures. Mais le magasin de chaussures, ça me fatiguait beaucoup. Pourquoi? Je suis à Benjaville et je travaille à Kumasi. Ah oui, quand même la distance. Donc, je me lève tôt, à 4 heures. Ici, ils vont dire 9 heures, je suis déjà là-bas. D'accord. Souvent des embouteillages, tu es là-bas, 10 heures, ça parle sur toi. Oui. Il y a les gens même là, tu les vois, même, vous n'êtes même pas catégorisé, mais ils vont parler sur toi. C'est-à-dire? Tu es obligé d'accepter. T'es insulté quoi? T'es insulté. Du genre? Bon, pourquoi tu es venu en retard? Souvent, on te renvoie à la maison parce que tu es venu en retard. Oh là là. Wow. Mais tu avais précisé que tu habitais si loin à ta Oui, c'est. Okay. Maintenant, c'est bon, c'est la fille qu'ils l'ont mis devant. C'est elle qui me fatiguait beaucoup. C'est ouais. ça. Mais quand tu regardes, quand tu compares aujourd'hui cette vie que tu avais où tu vendais dans magasin et puis aujourd'hui où tu nettoies dans les grandes surfaces là. Bon, aujourd'hui c'est un peu mieux. Aujourd'hui est mieux. Aujourd'hui un peu mieux par rapport à l'autre. C'est quoi qui est mieux ici? Est-ce que c'est salaire ou bien c'est. Bon, c'est pas le salaire. Ok. C'est la distance qui est moins longue. Voilà. La distance, et le repos d'abord. Plus de liberté. D'accord. Voilà. Parce que vous là-bas, déclaré... je me lève à 4 heures. Je commence à me préparer. D'ici 5 heures, je prends les premiers départs. Et ici, moi je monte à midi. Ah, ça va. Du lundi au vendredi, je monte à midi. Et samedi, dimanche, je monte à 11h. Donc, il y a un peu de différence. Et tu finis à quelle heure quand tu montes à midi? Je descends à 21h. Ça va. En fait, vous faites des horaires normales de personnes qui sont déclarées, en fait. C'est ça. C'est-à-dire 8 heures de travail par jour. Vous êtes déclarée? Bon, oui. D'accord. Est-ce que dans le travail, là, c'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que quand vous nettoyez, vous vous sentez respectée? On doit, les gens ne nous respectent pas, en tout cas. Les gens ne vous respectent pas. Nous respectent. Pourquoi parler fort, Sidoine, on n'entend pas ce que tu dis. On doit, les gens ne nous respectent pas. Sidoine est très timide. Ils nous respectent, ils sont un. Voilà, ils sont un. Mais qu'est-ce qu'ils font qui montre qu'on ne te respecte pas? On ne te salue pas? Souvent, de un, quand ils viennent, ils ne te saluent pas. Et puis, ils te posent des questions. Qui rentrent dans la toilette aussi, ils font n'importe quoi là-bas. Oh, c'est la merde. C'est la merde. Si on ne voit pas, c'est la merde. Dis-nous. C'est la merde. Ah ouais? Il faut voir un juge, il rentre dans les toilettes pour aller regarder si c'est papa. Et nos boss, là, quand il vient là, il rentre directement dans les toilettes. Pour vérifier. Si c'est propre ou pas. Je rentre là-bas et je vois quelqu'un. Comment un homme, tu peux laisser vrai, tout de vaisse et puis tu vomis sur le mur. Aïe, aïe, aïe. Vomis sur le mur dans toutes les toilettes. Quand j'ai vu, mais j'étais dépassée. Jésus. Il y a une de mes collègues là, elle est restée là-bas. Je l'ai appelée, viens voir. Ce qu'ils ont fait. Elle, quand elle l'a vu même là, elle ne pouvait même pas. C'est moi, si elle prend l'eau, fesser, rincer. Oh là là. C'est pas possible. En fait, il y a un réel problème d'éducation. Comme on disait les gens sont dans les grands, ils font mal, ils sont sales comme c'est ça. C'est pas parce qu'il y a des gens qui passent derrière pour nettoyer que tu rentres faire n'importe quoi. Je te dis, c'est ça. Tu avais trouvé, c'était propre. Même chez lui à la maison, il ne peut pas faire ça. Même devant sa cour, il ne peut pas faire ça. Je me demande si chez lui à la maison, il peut faire ça. Il peut pas. Souvent, je me demande. Ça, le mec, il nettoie, il ne peut pas. Il y a poubelle, tu laisses poubelle et puis tu verses les ordures à terre. Il y en a les lotus. Voilà la poubelle qui est là. À cause de ça, ils ont mis la poubelle. Oui, effectivement. Tu laisses et puis tu déposes à terre comme tu veux. Et puis tu sors. Pendant que quand tu rentres, tu as trouvé propre. Ouais, bien sûr. Ça, exactement. Maintenant, tu sors et puis c'est sale derrière toi. Oh là là. Et puis tu te trouves que tu es trop propre. Ouais. Mais tu n'es pas propre. Souvent, ils sont à chaque fois que je vais dans les grandes surfaces, j'ai du mal à aller aux toilettes. Parce que je me dis, on t'apprend au moins à prendre un lotus. Si tu n'as pas l'eau, là, prends le lotus, essuie tes fesses, jette-y la chasse. Et souvent même, on te prend un autre lotus, essuie la cuvette, là, jette, et puis va laver tes mains. Ouais. Au moins, tu repars de... Tu laisses le droit propre pour les autres. Comment tu peux, toi, tu arrives, donc tu rentres dans les toilettes, là, même le gars même a fait la décédé la go, parce que non, c'est les toilettes des femmes. La go a fait la grosse commission, elle laisse son truc là-bas. Non, mais la grosse commission, la chasse. C'est le moins de mal. Chérie, et quand elles ont les ragnagnas... Ça, c'est plusieurs fois. Allons-y. Chez moi, on trouve plusieurs fois que tu es là-bas. Plusieurs fois, souvent, mais ils viennent, ils laissent. Quand, après, je ne sais pas comment on dit ça dans les français, là, quand une femme voit, c'est monstrueux. Oui, la neuf, ils déposent. Ils ne jettent pas, ils sont bons. Non, je ne comprends pas. Et puis, qu'il a ramassé pour elle. Nous, on ramasse souvent sur le Libanet, ils s'en trouvent. Si on n'a pas vu, et puis nous appellent calmement
Mais alors, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que souvent, ce que vous avez eu à faire à cette... C'est-à-dire la personne qui rentre, qui fait dégâts, là, quand il sort, là, est-ce que tu arrives à le voir? On ne le voit même non, pas, même. Parce que souvent, tu es occupé, tu ne le vois pas. Donc, c'est une clé qui vient à tête, tu rentres. Et puis, les tantes, ils sont sapés, bien maquillés, bien chic, là. C'est ça qui fait mal. C'est là qu'ils vont faire ça, là. Ben, puis, ça fait tout mal, même. Ça fait mal. Oh, n'importe quoi. Quand ils voient même comme ça, ils disent, mais dis donc, c'est quoi ça? Mais en parlant de manque de respect, est-ce qu'il y a vraiment des situations qui vous ont marqué où on vous a vraiment considéré comme plus bas que terre? Beaucoup, mais en tout cas. Bon, explique-nous un peu une situation quand même. On partage. Souvent, d'autres viennent même là. Pour te saluer même là, dans tous les problèmes. Mm-hmm. Maintenant, tu ne salues pas. Et puis tu rentres, tu ressors. Et puis tu viens me poser des questions. Je ne peux pas répondre à ça. Quel genre de questions? Madame, essaye à faire ça. Je ne peux pas répondre. J'adore là. Tu m'as dépassé. Je suis l'homme comme toi, je suis même chose comme toi. Voilà. C'est même sans la terre, même si on dit. Ouais. On est même chose. Ouais. Tu vas mourir, c'est la terre. Tu vas mourir, c'est la terre. Tout ton âme, ça va rester. Après, ça parlait de signaler. Sandrine Sandy Chouchou. C'est une bonne version. Ben, la dame ne la salue pas. Ben, oui, c'est ce que tu n'as pas maintenant, c'est à qui il est dit son libanais. Souvent, il vient, il te dit, il n'y a pas de lotus. Je ne peux pas te répondre. Quand il vient, qu'il ne savait qu'il rentre et puis il sort, il dit, mais ma chérie, il n'y a pas de lotus. Moi, je ne les calcule pas. Voilà. Mais tu ne peux pas répondre. Moi, je ne les gère pas. Est-ce que quand tu es impoli ou bien que tu. Moi, non. Mais ensuite, moi, je les laisse avec leurs problèmes. Puisque moi, je viens chez mon âge, je ne sais pas bien, il y a de tes humeurs. Est-ce que des fois, ils ont remonté l'information à votre patron en disant que vous avez été, par exemple, mal poli à certaines situations? En tout cas, moi, mon patron m'a jamais appelé aussi, mais dit que je l'ai manqué de respect. Parce que combien d'années j'ai fait là-bas, je suis venu chercher mon argent pour rentrer à la maison. Je ne suis pas venu à dire meurtre de quelqu'un. Mais quand ça déborde, moi, je réponds. Ah oui, ben. Je réponds. Comme ça. Et ça, dernière fois, déborder, quand tu as pleuré, c'est pas qu'on s'est énervé quand on pleure. Il y a un Libanais, mais tu m'as appelé, un jour. Comment monsieur a arrêté? On dit m'appeler Sidon. Lui aussi, il employé comme moi aussi. On dit m'appeler Sidon, il me dit oh. Moi, je me suis arrêté, il dit moi, je ne m'appelle pas oh. Voilà. Celui-là, tu me payes, il m'appelle Sidon, même mademoiselle. Mm-hmm. Moi, je ne m'appelle pas oh. Et puis, avec une clientèle, tu as assis derrière, dit bien parler. Bien parler. Ils vont te respecter. Propre, voilà. Femme, et c'est sur ça qu'on va partir à la pub. Parce qu'il faut se faire respecter ici. Et les femmes d'ici, on fait que tout le monde se fait respecter. Et on va à la pub pour ça. Et on revient après pour se faire respecter. À tout à l'heure. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est un plateau exclusivement féminin avec un thème trop chic, les techniciennes de surface, les métiers dits invisibles. Et nous sommes avec Sandrine et Sidoine, s'il vous plaît. Oui! Les chouchous! Franchement, j'adore, je vous adore les filles. J'aime beaucoup cette émission. Alors, avant de partir en pub, on parlait un peu de tout ce que les gens font quand les gens vont dans la douche et puis ils font des bêtises et puis après ils vont monter dans leur grosse voiture et puis ils s'en vont à la maison. Il y avait aussi, Sidon, tu nous disais tout à l'heure, qu'il y a même des couples. Dis-nous oui. Ça. Un jour, j'étais dans la salle, samedi, il me répète très bien samedi, il y avait assez de clients et ma collègue Nada était de l'autre côté. Tata Fatou était de l'autre côté et puis j'étais dans la salle et quoi, très bien avec Ami. On était là, les clients cherchent à rentrer dans la douche, ils n'arrivent pas à rentrer. C'est bloqué. Tout de les toilettes des femmes, c'est bloqué. Elle attend. Elle me dit, ah, ma chérie, qui est rentrée dans la douche, depuis son rentrée ne sort pas. Donc, il y avait une cliente aussi qui est venue manger. Comme elle a remarqué, c'est une sœur Baoulé. Donc, elle m'a vu et parlait Baoulé. Elle m'a dit, ah, tu es Baoulé? Elle dit, oui, que je suis Baoulé. Elle dit, ah, regarde dans la douche des toilettes des femmes, là, qu'il y a deux filles plus un garçon qui sont rentrés. Ouais. Elle dit, quoi? Combien? Elle dit, oui, deux filles, un garçon. Oh, donc, comme ça, je me suis levée. Je me suis levée et j'ai appelé Nadège. Nadège est venue, qu'on a tapé. Ils ont sorti en courant, nous on a commencé à rire. Nous on a arrêté, oui ce sont des enfants, nous on a arrêté le monsieur. Nous on lui a dit, mais ça ne se fait pas, si tu veux te libérer, il y a un hôtel, c'est pas dans la douche, tu vas venir te libérer comme ça, c'est pas joli à voir. Oh. Donc nous on a parlé sur lui. Et la deuxième fois que j'ai vu, là c'était dans la douche des garçons. On était assis, moi et puis ma même collègue Nadège, on était là. Elle me dit, votre travail, là, vous voyez des choses. Oui, des choses. Que depuis, on a assis là, les deux filles qui sont rentrées ne sont pas sorties. Elle dit, mais, vu que ces deux filles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire de bon. Elle est se maquiller. Elle dit, non, ils ont trop duré. Qu'il faut regarder. Elle dit, OK. Elle allait taper. Ils ne sortent pas. Donc, moi, je me suis levée, puis j'éteins la lumière.
Quand j'éteins la lumière, la fille sort. Il n'a pas dit que c'est le garçon aussi. Il allume la lumière. Il allume la lumière. J'éteins encore, il allume la lumière. Donc, troisième fois, en même temps, il a sauté, puis il me s'est arrêté. Il me dit, mon frère, ou bien, c'est pas si c'est ma soeur, tu dois dire. Voilà. Tout ça, ça signifie à quoi? Tu veux faire l'amour à ta femme, restez chez vous. Ça, c'est un coin public, c'est pas joli à voir. Donc, si les gens ne pas appeler nos chefs supérieurs, en même temps, Fia, ils sont partis. Dans l'odeur, là. Donc, moi, j'ai fait. Ce sont courageux, hein. Non, j'ai fait le retour à le chef. Au chef. Parce que quand c'est comme ça, de un, le coin ne marche pas, puis vous venez maudire le coin. Ça fait un peu. Ça maudit le coin. Un endroit où toi-même tu t'assois, tu fais commerce là même là. C'est un homme, une fille sans se coucher sur la table et puis un homme. Tu déposes, mais il n'y a pas que quelqu'un tu vas s'asseoir dessus. Voilà. Non, c'est comme tu as maudit le coin. Et imagine, voilà, voilà. Et ceux qui quittent, ceux qui ont fait, ils finissent et puis la personne qui vient derrière pour aller aux toilettes. Voilà, tu vois. C'est ça, en fait. Il a fait le retour en homme supérieur, il a dit ok, que lequel me voit ça encore, lui me va donner le cas. C'est-à-dire qu'avant même d'aller s'asseoir dans la toilette, tu dois prier même. Et souvent, ouais. Souvent, mais quand ils finissent, ils essuient les mains ou bien ils enlèvent les capotes, ils déposent. Ouais. On est obligé de ramasser. Ça, ça pas obligé, hein. Obligé de... Souvent, le matelas ne voit même pas. Et maintenant, trouver la capote, il est là. Et puis, ça est rempli. Alors, aujourd'hui, là, vraiment, on entend des choses. On entend des choses. Tu vois, mais en même temps, moi aussi, je me dis, il y a peut-être aussi des gens qui ont été super gentils avec vous. Il y a peut-être des gens qui vous laissent des pourboires, non? C'est ça. Oui. Il y en a? Ça seulement, il y a eu beaucoup. C'est des gens gentils. Mais ton plus gros pourboire, alors, dis-nous. Gros pouvoir, c'est trop gros, c'est 2000. Mais si maintenant, on donne des personnes 2000. Qui sont gentilles, qui bon, parlent même avec si vous, c'est 500, la c'est monnaie bon. Dont elle m'a pris là, mm-hmm. Vraiment, j'ai aimé. Mm-hmm. Elle était là. Moi et ses enfants, ils ont fini de manger. Bon, il ne s'est pas encore levé. Là-bas, là, quand il finit de manger, qu'il ne s'est pas encore levé, on ne peut pas débarrasser. Mm-hmm. Mais j'ai vu que c'est un peu désordre, quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai demandé au monsieur que si je peux débarrasser. Il dit oui, 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 tu peux débarrasser, on a fini. Dans débarrasser, là, la femme met sa main dans son porte-monnaie. Elle me tend 1 000 francs. Il dit merci. Que Dieu vous bénisse. Elle dit non, c'est gratuit. Non, ton travail là, tu aimes beaucoup ton travail. Bon, elle a commencé à parler. Ouais. Non, mais j'ai aimé beaucoup. Voilà. Si elle m'assoit, elle me regarde, elle dit à son mari, elle me regarde. Les deux me regardent quoi. Et puis, un encore, c'était un Libanais. Il est venu manger avec son enfant et son fils. C'est la même chose que j'ai fait. Quand je vois là, c'est un peu bizarre quoi. Donc, je m'approche pour demander si je peux débarrasser. Voilà. En fait, tu aimes ton travail. C'est ça, en fait. Voilà, si je peux débarrasser. Parce que souvent, quand nos boss viennent, ils tout comme ça là. C'est pas trop joli à voir, il oublie de parler. Non, moi, j'aime pas quand on parle trop sur moi devant les gens. C'est vrai, c'est humiliant. Ouais. Voilà, j'aime pas trop. Donc, quand je vois comme ça, là, je m'approche à mes temps et demande si on peut débarrasser. Non, ça aussi, il m'a donné 2 000. Ah. Oui, il m'a remercié. Et puis, il avait dit à sa fille même de m'apporter. Là, sa fille dit, tanti, papa t'appelle. Je viens. Et puis, elle met les 2 000 dans ma main. Sandy Chouchou. Gwaudé, tu es béni. J'aimerais qu'elle réponde aussi à la même chose des personnes qui m'ont fait pour des boire, pour boire. Boire. Attends, moi, que j'étais là-bas, il y a des gens qui viennent souvent, mais tu n'attends pas 10 000. On partage entre nous. Genre, je prends un exemple, tout et c'est pas comment je vais dire ça. Elle a, avant de venir, j'ai croisé la fille même. Quand j'ai un problème, souvent même, quand elle vient me trouver, elle me donne au moins 100 000. 50 000, sérieux? Oui. C'est une femme pasteur. Bon, c'est une camarade à elle au quartier. On était au quartier. Mais encore, elle vient dans ce coin. Elle vient dans ma vie. Elle donne l'argent. Il y a eu un petit coin. Je vais me poser, petit barat pour me coucher. Non, quand je l'ai expliqué, elle m'a donné 100 000 de faire. Donc tout à l'heure, mais quand je vais, ma vie a dit tu as fini de monter. Il dit, ok, si tu finis qu'elle n'en arrive pas, tu me fais signe. Wow. Okay, on peut avoir son nom pour l'applaudir au moins. Lui, elle s'appelle sa fille. Merci à sa fille. Très gentille. Non, mais c'est top. C'est, est-ce wow, c'est touchant, est-ce ça. Il y a aussi des moments. Elle est très comment gentille. Comment ça se passe avec les personnes publiques qui vont là-bas, les célébrités? Les stars, là, quoi. Les celles-là. Les stars. Les nous, là. Les chanteurs, les animateurs. Comme moi, je finis un peu vite, là, moi, je ne les croise pas. Tu ne les croises pas. Ah. Elle finit à 14h. Ouais. Quand tu les croises bon, moi, je les croise, moi, ils ne m'ont rien donné. Ils ne m'ont jamais rien donné, en tout cas. Hey. Mais je les croise. Bon, ils ne m'approchent pas trop à eux, quoi. Tu as déjà fait ça, au moins. Vous ne
aide à faire photo au moins. Ah, moi, Antoine, je n'ai jamais pris photo avec. Il n'ai jamais pris photo. C'est elle, vous seulement, il y a pris photo. Ah, vous m'avez pris. Cachou. Je reviens à ma question de savoir si vous avez eu des hommes qui ont eu quand même des propositions, qui vous ont fait des propositions indécentes pendant, dans le cadre de votre travail. Elles sont déjà draguées pour dire maman, viens, allez se mettre sur le côté. Tu vois, non, ça, non. Je viens te donner Jean, gérer busy, des trucs comme ça. Non, non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, je suis fatiguée, j'ai plus envie de faire, des moments pénibles, difficiles, ça dit que vous vous êtes dit, franchement, j'ai envie de laisser tomber, quoi, je suis fatiguée. Oui, c'est tout moi. Tomber quoi, le travail ça, c'est ouais, fatiguée, j'ai envie de laisser tomber, mais quand je regarde ma situation, c'est pas facile. Je suis pas prêt pour laisser tomber. C'est pas facile de laisser. Yeah. Quatre enfants, école, maman. C'est toi, tu t'occupes de tout le monde. Oui, même la maman. D'accord. Je m'occupe de mes enfants. Et puis moi-même, où je suis dans une petite baraque, mais je pêche à la fin du mois. Donc quand je regarde que je vais laisser ça venir m'asseoir, que moi je vais gagner mieux, je suis obligé de rester dedans. Quoi. Tu aimerais faire quoi, si tu ne faisais pas ça. C'est la couture que je voulais faire. D'accord. La couture, et puis reprendre l'école un peu, puisque je ne suis pas arrivé. Donc ça fait que quand mes démons disent, je ne suis pas parti à l'école. Et j'ai arrêté à cause de l'oncle de ma maman, j'ai arrêté de l'école à part de CP2. Donc ça fait que... Et toi, Sandrine? Par contre, tu dis que c'est difficile. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Non, non, surtout les moments difficiles, en fait, où tu as voulu arrêter. Bon, j'ai envie d'arrêter, mais quand je vois que pour le moment, on ne peut pas faire rien, il ne travaille plus. Pendant la guerre, son travail est gâté. La guerre de 2002, là, son travail est gâté, donc il s'est obligé. C'est ça. Il s'est obligé. Il y a mes deux petits frères qui vont à l'école, il y a un qui fait terminal. Il faut voir la fois, dernier, il m'a appelé, il dit qu'il a besoin d'un téléphone. Parce que souvent, ils font les recherches sur les téléphones, les enfants, les jeunes. Là. Donc, il a un téléphone qui ne marche pas. Souvent, quand il appelle, là, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Il dit, mais ton téléphone, a quel problème? Quel grand seigneur n'a pas de téléphone? Il dit, mais tu n'as pas de téléphone. Tu veux l'argent, mais tu veux téléphone. Il dit, bon, je veux téléphone. Mais Marie, quand il a dit, je veux téléphone, il a envoyé 6 500 d'abord, il n'a qu'à mettre sur lui. Voilà l'école. Même si il a promis un téléphone la semaine prochaine, il a payé un téléphone pour lui, pour se débrouiller, pour lui et puis pour son petit frère. Mais les parents sont là. Ouais. On est obligé d'envoyer toujours l'argent. Depuis que je suis venu habiter, c'est là, l'argent qui est gagné là. Si je pouvais faire quelque chose, en tout cas, j'ai fait. Mais tu envoies tout le temps. J'envoie toujours. Mais eux, ils savent ce que tu Moi-même, je suis fatiguée même. Mais ils savent ce que tu nettoies. Et malgré ça, on te demande. Ils savent que je me débrouille. Ils savent que je ne fais rien de bon. Mais il va faire quoi? Si lui n'a rien, il compte sur moi. C'est moi aussi l'ennemi. Après moi, là, il y a mon petit frère qui me suit. Lui, il est là. Il est à la maison. Ouais. Les autres, elles sont encore Et qu'est-ce que tu aimerais faire en dehors de ce que tu fais en ce moment? Bon, c'est seulement, moi, je voulais faire... C'est mon magasin qui était dans ma tête. Mais de ça fait que... Magasin de pommades... Cosmétiques. Voilà. Cosmétique, ouais. Et puis, les pains, bavoulé, yakuba, les chaussures d'âme. C'est ça qui est dans ma tête, mais pour le moins, il n'y a pas les moyens. Ouais. Est-ce que parents. Bon, c'est vrai que vous vous occupez respectivement de vos familles, mais est-ce que vous arrivez à mettre un peu de côté, tout ça? Bon, ce qu'on met à côté là, c'est pour payer la maison et puis nous-mêmes pour manger. Moi-même, il n'arrive même pas à mettre 5 francs de côté, donc je ne vais pas mentir. Moi, je voulais te demander. Tu as dit quoi? Il n'arrive même pas à mettre 5 francs même de côté, mais. Moi, je ne vais pas mentir. Je voulais te demander, ma chérie, tu dis que tu habites dans une baraque. Oui, oui. Donc, est-ce que souvent, quand il pleut, ça ne vous pose pas problème là-bas? Non. Ça va, c'est bien situé. C'est bien situé. Est-ce qu'il y a un moment où tu as pleuré au travail? Oui. Et moi, j'ai pleuré. C'était quand? Il y a un peu longtemps de cela. Tu dis? Il y a un peu longtemps de cela. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je regardais mes enfants, puisque c'est moi seul, je m'occupais d'eux, il n'y a pas papa, il n'y a pas grande sœur de papa, il n'y a pas tante, c'est moi seul, je m'occupais d'eux. Donc quand ça arrive que la vie m'appelle, mais non, que les enfants sont malades, que je n'ai rien, ça me traumatise en même temps. Eh, Jésus. Souvent, je pleure beaucoup. Oui. Parce que quand je vois. Moi, je n'ai pas connu ma mère. Bon, on ne fait pas d'âge. À 6 mois, elle m'a laissée. C'est la maman de mon papa qui s'est occupée de moi jusqu'à quand j'ai grandi. Souvent, quand je pense à elle, puisqu'elle ne vit plus, je l'aimais tellement. Elle m'aimait aussi. La vie, elle m'aimait beaucoup. Plus que ses enfants. On dit que c'est moi, je suis sa seule petite fille. Ben, je suis la première fille, premier enfant. C'est son seul fils. D'accord. Un petit enfant. Donc, quand tu penses à elle, c'est ce qui te fait pleurer. Ça me fait pleurer. Ouais. Tu es mère célibataire, c'est ça? Est-ce que c'est parce que le papa a démissionné de son rôle de père ou c'est parce que... Oui.
La démission. Il vous a abandonné complètement. Il nous a abandonné complètement. Les enfants sont restés dans ma main. Même pour appeler, même c'est un problème. Donc, elle colle tout ça. On n'entend plus ta voix, ainsi. Donc. Non, ça l'a touché. Elle me dit qu'on n'entend plus ta voix. Il faut que tu parles un peu plus fort. Même pour appeler, même c'est un problème. Ouais. Donc, mais on te drague, non? On doit un garçon me drague, mais. Tu es trop belle. C'est que j'ai vécu, ça fait que pour me laisser aller dans une relation. C'est compliqué. Quoi. C'est un peu compliqué pour moi. Ouais. D'accord. Tu veux tes enfants. Hein? Okay. Mais tu maîtrises la couture filles. Ou bien pas? Non. Pas encore. Ah, d'accord. Donc, tu es un peu compliqué. Alors, les filles, on va devoir aller à la pub. Oui. Bon, je voulais vous dire que. Vous êtes, je vous admire vraiment pour votre courage et c'est vrai que ça me... Oui, en train de pleurer là. Quand vous voyez qu'elle devient calme comme ça, là, ça veut dire que c'est... Non, parce que vous savez, on est toutes des mamans, on est toutes des femmes battantes, mais les gens ne savent pas qu'à un degré social différent, on a toutes nos luttes. Ouais. Et quand je vous vois, ça me donne encore envie de continuer, en fait, de ne pas abandonner parce qu'il y a des jours aussi, on se dit, c'est dur. Et on veut souvent abandonner, mais quand on voit ça, on se dit non, on n'a pas le droit. Ouais. Oh, DJ aussi pleure. Quand ça se fait. Hey, DJ, alors c'est bon là, s'il vous plaît, les filles, on va à la pub. Je ne veux plus de pleurs, s'il vous plaît, ne faites pas, on va pleurer. Ce n'est pas une émission triste, c'est une émission de joie. Allez, on la pub, on applaudit. Plateau des femmes d'ici, c'est la dernière partie de cette émission. Et avant de partir en pub, Didja et Aurélie ont ouvert les vannes. Elles sont en train de pleurer. On a dû prendre des verres pour aller ramasser les larmes. Parce que... mais non, les filles, je comprends. On comprend. Votre histoire est magnifique. Et moi, c'est l'une des plus belles émissions. Ouais. Franchement, c'est vrai. D'avoir des personnes comme ça qui sont fortes, qui se battent, de belles femmes en plus. Parce que c'est très belles femmes. On a l'impression que les nettoyeuses, tu pensais que tu voulais voir dans un habit, tu as l'impression, de habit de travail, tu as l'impression que c'est des femmes. Et le pire, c'est qu'elles ont joli teint. Elles auraient pu choisir la facilité. Exactement, en fait. Elles auraient pu choisir la facilité. Elles ont des enfants. Félicitations à vous. On va essayer de redescendre un peu tout ça en allant voir Je suis la boss, la dame qui aujourd'hui a abandonné son travail pour se lancer dans l'entrepreneuriat qui est la vente de la tchéquée. On la regarde. Bonjour, je suis Charlène Kwasi, monteuse professionnelle de promotion, diplômée de l'Institut des sciences et techniques de la communication. Chaque matin, c'est comme ça. Je viens quand j'ai des commandes, je viens ici. Quand j'ai des commandes, je viens aider la maman à préparer. Et quand je finis, je prends mes commandes et je pars pour les livraisons. Je pars pour les livraisons. Je commercialise de la tchéquée. Par manque de boulot, c'est une petite activité que je fais en parallèle, histoire d'avoir un peu d'argent pour ne pas rester là à attendre que les choses tombent du ciel. Je travaillais dans une entreprise quelque part et après, les choses sont arrivées. J'ai démissionné et je me suis retrouvée à la maison. Moi, comme ça, mes parents ne sont pas ici à Abidjan. Et quand je suis arrivée, je ne pouvais pas attendre et dire que voilà, les choses vont... Vu que j'ai des charges, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas commencer une petite activité? Ça va me permettre de manger un peu, puis ça va me permettre aussi de faire mes petits soins entre griffes. Donc c'est comme ça que j'ai pensé à faire une petite activité. Sinon, au-delà de cette activité d'atelier-là, j'ai d'autres projets. Mais comme j'ai dit, tout de suite, je ne peux pas avoir les moyens de ce gros projet-là. Donc j'ai commencé un peu petit à petit. Ma première commande était une commande de 5000 francs. Voilà. Et après, j'ai eu beaucoup de commandes, un peu partout. Si aujourd'hui, tu as étudié le droit, que tu n'as pas encore obtenu un boulot dans le droit, je suggère à ces jeunes-là de penser à une activité en dehors de leur domaine de formation. Parce que c'est pas toujours facile d'avoir un boulot dans son domaine de formation. Maintenant, on va pour la livraison. Allô? Bonjour, madame. Oui, ça va bien, madame, et chez vous? D'accord. Madame, j'arrive avec votre commande. Oui. Oui, oui. Quand tu vois que tu as dépensé beaucoup d'argent pour tes études et après tu te retrouves sans boulot,
C'est pas vraiment, vraiment facile. Bonjour madame. Oui madame. Oui. Oui madame. D'accord, ça a été fait aujourd'hui. Oui, oui, ah, oui, tout à l'heure. Oui. Ah, c'est bien ça. La fois dernière, j'ai pris pour voyager, les gens ont vraiment aimé. Et... Madame, j'espère que vous avez donné mon numéro. Hein. Mais s'ils veulent commander, comment on va faire? Ils sont au Sénégal. Donc si moi je voyage, d'accord, je vais commander avec toi. D'accord, madame, il n'y a pas de problème. Donc ça, tu vas prendre ton transport de. D'accord, merci c'est beaucoup. C'est pour t'encourager. D'accord, merci madame. C'est bon, hein. Oui, madame, c'est d'accord. Bon. C'est comme d'habitude. En tout cas, j'ai aimé la première fois. D'accord, merci madame. Merci, bon madame. Courage, hein. Merci madame. Hey, j'ai envie de manger en même temps. Elle dit que. Avec une bonne alors déjà, moi j'ai dit qu'elle a abandonné son travail. Elle n'a pas abandonné son travail. Elle a perdu elle son a perdu. Boulot et elle s'est retrouvée à vendre la tiki, qui n'est pas plus mal parce que je pense que c'est très bien l'entrepreneuriat. Et ce qui m'a surtout plu, c'est la fin, cette dame là qui l'encourage. C'est tellement bien d'avoir des gens qui encouragent les autres. C'est ça. Parce que tu vois quand la fille dit. Je me retrouve à faire ça. J'ai l'impression que oui, elle se dit ce que je fais. C'est parce qu'elle n'a pas le choix. Pas le choix. Mais tu vois l'autre dame qui l'encourage et tout. Félicitations, Charlène. Et on espère qu'on recevra tous de la tiki. On va en acheter avec une bonne sauce mâchoire. Je te dis. Alors, les filles, on va revenir à vous. C'est bon? Aurélie? Oui. Alors, effectivement, je revenais un peu sur la gestion de votre salaire, entre guillemets. Je sais que ce n'est pas facile et que vous avez vraiment beaucoup de charges. Mais je pense que, en fait, tout est une question de gestion et de d'organisation. Voilà. Même si vous devez enlever 2000 francs juste dans votre argent par mois, au bout d'un an, vous allez avoir 24 000 francs. Ouais. 24 000 francs, avec ça, ça a l'air rien pour certains, mais c'est beaucoup pour d'autres. Et avec ça, vous pouvez même commencer un petit truc. Voilà, commencer à acheter un petit truc pour vendre. Ou bien souvent, même là, votre salaire, vous le gardez, vous utilisez ça. Mais les petits pourboires qu'on vous donne, vous sécurisez ça dans une... Exactement. Parce que même, comme je dis, il y a d'autres personnes même qui peuvent avoir des millions, mais qui n'ont même pas d'économie. Oui. Effectivement. Alors que c'est en commençant petit. C'est-à-dire que des petites sommes qui sont... Peut-être pour vous, peut-être, au lieu de faire peut-être, vos cheveux, peut-être vous attacher. C'est un exemple. Hein. Au lieu de faire, par exemple, un défrisage dans le mois, vous gardez l'argent là. Vous faites petit afro joli, mais le petit argent là, vous sécurisez ça. Et au bout d'un certain temps, vous allez voir que l'argent va devenir assez beaucoup pour vous permettre de pouvoir développer un petit truc à côté. Et souvent, même vous avez des gens autour de vous, souvent, on ne se rend pas compte. Mais le fait de demander, souvent, on pense qu'on a honte de ça parce que les gens ne donnent pas. Mais on dit, il faut tenter. Et c'est en prenant des risques que vous y arriverez. Et totalement. Je suis d'accord avec Aurélie. Moi, ce que je vous dis, c'est que peut-être les gens vont vous aider. Nous, déjà, on va le faire. Mais ne quittez pas votre boulot pour l'instant. C'est ça. Ce que vous avez envie de faire, là. Ne quittez pas votre travail. Économisez. Parce que vous allez quitter, vous pouvez aller dans quelque chose et puis ce n'est pas sûr que ça marche. C'est ça. Économisez le maximum et puis gardez votre emploi. Ouais. D'accord? D'accord. Bon. Moi, on va aller avec le sans tabou. Le sans tabou. Aujourd'hui, on va causer un peu d'un petit. On va laisser un peu la tristesse. Sans tabou, s'il vous plaît. La question du sans tabou aujourd'hui, les filles Sidoine, Sandrine, Yasmine, Aurélie et Dija, c'est peux-tu sortir avec ton boss, ton patron? On n'a pas dit le Libanais qui est là-bas, mais genre un autre boss, ton patron. Moi, je ne suis pas mariée, peut-être. C'est lui qui propose, hein? Non, toi, moi, en tout cas. Le monde, je n'ai pas vécu un peu la vie aussi, donc ça m'intéresse. Ça t'intéresse pas. Dijus. Je dans mon. Ça dépend du boss. Ça dépend du boss. Ça, c'est dit la vérité. Vrai, là, ça dépend du boss. Non, mais moi, j'aime bien dire que l'amour n'a pas de. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas sur qui on tombe. On ne sait pas comment les sentiments naissent. Je sais une chose, je ne peux pas travailler avec la personne que j'aime. OK. Donc, s'il arrive que je tombe amoureuse de mon patron et que c'est une relation consentie et tout ça, je pense que je songerais soit à ne pas y aller, à ne pas rentrer dans cette relation-là, soit faire autre chose. À démissionner, ouais. Démissionner? Dis-nous, Yasmine. Non, pour moi, là, c'est trop faux. Elle a qu'à répondre d'abord. C'est une question très sensible. Je dirais que si on s'est connus avant qu'il devienne boss, oui, ça ne me dérange pas. Parce que voilà, il va devenir boss et je travaille pour lui, donc ce n'est pas un problème. Par contre, si je le rencontre dans le cadre du travail et que là, par exemple, on sent qu'il y a des accointances, ou quand je veux dire des accointances, c'est-à-dire qu'on a un feeling, il faut savoir.
C'est compliqué. Là, il y a toujours deux cas. Voilà, il y a deux cas. Mais c'est très, 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 très compliqué de... Et je ne le conseille pas. Oui. Je ne le conseille pas de sortir avec son patron parce que ça peut gâcher beaucoup de choses. Mm. Si c'est très mal fait. Mm. En tout cas, vous, là, vous parlez bien. Comment il a sorti? Si, si, il est beau, il est chic, il me plaît. Et puis, je ne suis pas mariée, là. Mais souvent, c'est, quand tu es marié, c'est différent. On a quand même dit qu'on est... Si on n'est pas... On part sur le principe que tout le monde est célibataire. On part sur le principe que tout le monde est célibataire. Dans ça, peut-être mon salaire peut augmenter. Dans ça, peut-être on peut me donner plus de jours. On peut me faire des petits trucs à côté. Bébé, I'm gonna give you. Dis-nous, Sandrine, et toi? No problem. Moi, c'est moi, je ne peux pas. Oui. Même si le patron est fâché, il a tout ça là. Qui veut te doter. Qui a Abidjan. Souvent, là, il y a des patrons qui sont très bien. Il va te marier. Et puis, quand c'est caché, c'est doux, façon. Personne ne sait. Si, franchement, relation je cachée, dirais non, si tu sais que ton patron est marié, voilà, il a sa relation. C'est marié. Mais si on est célibataire, le monde est célibataire. Et puis, tu laisses tomber. C'est la honte. Moi, si je suis célibataire, moi, il y a le dragué. Attends, toi, vous êtes célibataire. Il y a le dragué. Il faut mieux que drague. Voilà. Donc, vous acceptez. Un peu de clin d'œil, bébé. Il est frais. Il a les moyens. Mais est-ce que vous ne vous dites pas aussi que. De toute façon, il est sorti à toi, là. Il pourra sortir aussi à une autre fille, une autre femme. Ça fait rien, mais au moins, là, la seule chose que j'ai fait... Elle a fait, faut faire. Non, j'ai dit, moi, la seule chose que je vais faire pour sécuriser d'abord mon travail, souvent, quand il a un peu goûté, il peut se donner un petit genre. Donc, s'il veut, là, on signe un papier qui dit que moi, là, d'abord, il augmente mon salaire, il me donne un contrat de 6 ans. Maintenant, bébé, quand je le vois tous les matins, bébé... Et puis, tu sais, moi, il y a une manière de marcher. Tu sais que ma poitrine bouge beaucoup. Donc, moi, quand il m'avait dit... Le boss, bonjour, ça va, vous allez bien? Depuis là, mais je ne comprends pas, mais les filles, la mère ne font pas bien leur affaire. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous sautiez comme ça? Il dit, ah, sautiez comment encore? Que Yassine, ça te dérange pas si genre ils sont avec toi et puis il va sortir avec d'autres collègues encore. Il a cassé. Je peux pas faire ça. Ça peut pas me déranger parce que c'est là où il y a le championnat. C'est là où on s'est guisé, on voit qui est qui court. Oui. Ça que c'est pas ça doux que tout le monde veut. Je pense que si c'est une relation amoureuse, c'est une relation qui est quand même sérieuse. Mais Didier, est-ce qu'on est obligé? Donc il n'y a pas à dire qu'il va aller faire X et Y avec quelqu'un. Parce que même le monsieur avec qui tu sors, qui n'est pas ton patron, tu ne sais pas, peut-être qu'il fait des galipettes aussi avec ses collègues. Non, je suis d'accord. Mais depuis quand, dans ce monde mondial-là, tu as sorti ton patron? Et puis tu as les dieux, j'en sais pas pouvoir. Non, ma chérie, je ne vais pas savoir. Si moi je sors avec toi, c'est que tu me dotes, tu me maries. Tu c'est ça, en fait. Ma chérie, il faut laisser ça. Derrière c'est la clôture. Si on est deux célibataires dans une relation, c'est la secrétaire de Bill Clinton qui nous a traumatisés. Elle est cigare. Elle, cette histoire des cigares, nous tous, on rêve de 5 jours. Donc, ma chérie. Mais comme on a déjà marié le Djulati à la maison, et ça va. Ne mettez pas délit sur moi, sinon, hein. C'est difficile. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir, je vais faire. S'il me plaît, je vais faire. Il est chic, je vais faire. Il sent bon. Je pense qu'il n'y a pas tellement. Il n'y a pas de grave, quoi. C'est pas grave, en fait. Et puis, ce qu'il y a doux, quand vous arrêtez le matin, il y a une réunion, puis vous regardez, ça rentre dans ton cœur d'une manière. Et puis, c'est quoi? Championnat. Et en scène, du coup. Le truc, c'est quoi? Genre, ils ont compris mal la télé. Si vous êtes en réunion comme ça, ton patron est assis là, au bout de la table. Toi, tu es assise au bout de la table. Vous êtes en réunion concentrée, il y a une crise, par exemple. Et puis vous regardez un coup. Non, tu lui fais un texto pour lui dire un petit mot pour parler de hier. Le gars, il est déconcentré. Non! Mais ça peut même vous. Je ne sais pas si on peut dire. Vous voyez les comportements. Tu vas aux toilettes, carrément. Bon, comme c'est la télé, les sons. Il y a une photo là, spécialement, ça ne ment pas. Hein. Ah. Je ne veux pas sexy, tout dire. Non, il faut laisser, c'est pas grave. Parce que pendant que tu es dans la réunion, je suis mariée. Bon, je ne suis pas encore mariée. Je suis avec mon mari, mais on ne s'est pas mariés. Mais déjà, c'est comme ça. Il n'y a pas bague. Donc, on peut construire même sur une maison. Patron, ils sont où? Imagine, tu es en réunion comme ça, mais puis pendant que vous êtes en réunion, mais tu lui envoies un petit message. Bébé, la réunion. Là, on ne donne pas beaucoup de conseils, la réunion dure combien de temps comme ça, là? Maintenant, écoutez la réunion. Allons à la maison. Merci, on fait un sujet sur ça. Vous ne donnez pas beaucoup de conseils, des malots, les filles. Non, pas les deux filles, elles travaillent dit, hein. S'il vous plaît. C'est comme ça que vous guettez vos patrons. Et pardon, ici, on n'a jamais
fait mal. Le patron, il a trop bossé. Il refuse trop. Il a besoin d'un petit massage, des gens. Il y a chez toi, non? Un peu à poutou, bébé, c'est va. C'est comme. Si je suis la main, c'est Jésus, c'est là, bébé. Si ça te plaît, non, t'aimes ça. Bon, l'émission est terminée, ça c'est. C'est là où on peut aller poser à l'hôtel, justement. La conversation à l'hôtel. Tu vois, souvent quand c'est chic, on peut aller pousser ça à l'hôtel. Mais elle a viré ma drogue aussi. Une bande de bandits dans cette émission, c'est pas possible, quoi. La jeunesse et la fraîcheur, ça nous souffle, ça nous souffle. Dit. Alors, j'apprends les mots de fin de, des filles. Les filles, elles sont à nous raconter. C'est ça de passer. Non, c'est comme ça on est. Quand on se retrouve entre nous, là, c'est comme ça on est. Alors, on va revenir à vous. J'arrive même plus à me concentrer, mais en fait, parce que t'es parti loin. C'est pas facile, hein, bébé. Alors, dis-nous, Sandrine, est-ce que tu as un mot de fin? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire? Déjà sur les clients qui se comportent mal et tout ça, qu'est-ce que tu aimerais pour te sentir plus valorisée, plus respectée? En tout cas, oui. Ils n'ont pas avoir beau comportement, non? C'est ce qu'on a dit la guerre doux, quoi. Ah. Comme ça, ici. C'est Sidoine, dis-nous. Elle est trop émue. Oui, ce qu'il voulait dire, les gens qui se comportent mal, ce qu'ils ne vont pas chez eux, ouais. Ils vont pour me faire sortir, quoi. C'est pas joli à voir. Voilà. Et ce que tu ne fais pas à la maison, comportement de la maison et puis au dehors, c'est pas Oui, mais ça sent, tu as bien parlé. Tu as bien parlé, bébé. Ouais. Quand tu sors, mais si tu as un sale caractère, tu as un sale comportement à la maison, quand tu sors, il ne faut pas monter ton comportement. Surtout si tu es sale, quoi. Et les salutations aussi, la politesse. Les salutations, là, en trois, ils n'ont qu'à apprendre toujours à saluer les gens. Ouais. Mais si la personne, il est nous-mêmes aujourd'hui, même, ils n'ont qu'à apprendre à saluer. Parce que c'est très important. Bah oui. Mais quand tu viens, tu dépasses la personne. Même si ton pied, genre, tu coins quelque chose, puis tu tombes là. Elle ne va pas te regarder. Parce que tu as passé, tu ne l'as pas géré. Elle ne va pas te regarder. Et tout si tu as mal au ventre, tu te presses pour aller au WC. Si c'est la personne qui est auprès de toi, tu peux t'aider. Ouais. C'est ça. Donc, okay. C'est moi, je peux dire. Et toi, Sandrine, dis-nous. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Elle avait été aussi. Ouais. Souvent, quand on nous prend vrai là, nous-mêmes, ça ne nous plaît pas, mais comme on est au travail, on est obligé de faire avec. C'est ça. Parce qu'on est venu chercher notre argent. On n'est pas venu regarder les gens. Si tu veux, pour me bouder, tu vas passer. Ça, c'est ton problème. Ne te gère pas. Voilà. Ne te regarde même pas. Si tu t'en vas, que tu reviens, ce que je peux te dire là, quand tu as passé, tu ne m'as pas salué. Ouais, c'est ça. Tu ne m'as rien dit. Donc, tu es parti, tu as coin, poteau, tu es revenu. Quand ils reviennent comme ça, souvent, quand je suis contente, je dis bon, voilà ça. C'est cet endroit, tu peux partir. Mais la prochaine fois, il faut ça. Ça ne va rien faire sur ton corps. Exactement. Attention, là, ce n'est rien. La convivialité, la gentillesse. Ça dépend, il arrive dans les toilettes, il n'y a pas papier de toilette. Non, mais le problème, c'est là, mais là, ils sont. Mais tu es là, puis ça te prend, c'est chaud. Ton ventre t'est fait. Maintenant, salutation, là, tu salues, tu sais, gâté en même temps. Non, tu veux que tu es retenu quand tu es rentré avant de sortir. Non, souvent, c'est pas. Hein? Les filles, on est à la fin de cette émission-là. En tout cas, c'était bien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une émission sur les relations Non, pardon. C'est pas chacun à son avis. On va s'en sortir. On va faire. On peut faire, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. On va faire, non? Moi, il y a fait. Moi, il y a fait. Moi, en tout cas, il n'est pas honte. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, c'est pas normal et tout, mais en cas, il y a qui vont. Mais c'est vous, j'ai dit, venez, patron. Parce que les gens, ils se marient, c'est son patron, et puis ils se sont mariés. Puis On a vu ça bidier ici. Toi, mais ton patron, mais quand tu as fait ton entretien, mais quand tu vois la personne qui te fait un entretien, là, en même temps, mais tu es pressé de travailler. Tu es pressé même de commencer. Il y a la crise au moto là, où on dit c'est son mari qui est son manager, mais il faut voir le gem, mon bébé. Elle n'a plus besoin de tout. Mais comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Whiskid. Oui. Sa femme en ce moment, qui est plus âgée que lui et tout, c'était elle le manager de Chris Brown, je pense, une américaine. Aujourd'hui, ils sont ensemble, elle a un enfant avec lui et tout. Ouais. J'ai l'impression que le travail marche plus. Mais qu'a dit, si Whiskey qui est riche, qui est hier, qui a fait tous les featuring et tous les bons américains, se cherche, à qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Vous pouvez pas sortir avec le bâton. Pas se chercher. Non, c'est clair. Je connais un monsieur qui a marié sa secrétaire. Hein. Ouais. Wow. Oui. Love is love. Non, affaire à suivre. En fait, je voulais juste...
le patron n'est pas marié. Tirez-moi de bouche. Chérie, pas dit le patron n'est pas marié. Non, il est célibataire. Voilà. Je dis ça. Voilà. Bon, alors, ceci dit, l'émission est l'émission pour femmes. Maintenant, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Et s'il vous plaît, braisez-nous doucement en commentaire, quoi. Franchement. C'est ça, moi, pardon, à fait d'hôtel. C'est bon, je dépose les clés de l'hôtel. Bisous, bisous, bisous.